Et hop, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Ici Thomas Gauthier de Tony TV. Vous vous demandez sûrement en ce moment, on est où en ce moment? Je sais pas moi-même. Donc voilà, étant donné que j'ai pas d'idée du tout pour faire de vidéos cette semaine et tout, j'ai décidé de faire un petit vidéo bonus, quelque chose de un peu cocasse, peut-être pour vous redonner le sourire. Et c'est ça, j'ai pensé un peu à ce que je pouvais faire et j'ai décidé de créer cette nouvelle série que j'ai appelée les Tom Aventures. Alors si vous avez pas compris, c'est Thomas et Aventure mis ensemble, ça fait les Thomas Aventure, c'est vraiment un bon concept. Qu'est-ce que c'est les Thomas Aventure? Les Thomas Aventure, en gros, c'est que je vais vous raconter ma vie, des choses qui se sont passées dans ma vie. Parce que l'autre jour, j'étais en train de faire quelque chose et j'ai réalisé que dans ma vie, il s'était effectivement passé plusieurs choses quand même drôles. Donc voilà, à chaque épisode de Thomas Aventure, je vais vous raconter une aventure qui s'est passée dans ma vie. Et peut-être qu'avec un peu de chance, vous allez trouver ça drôle. Peut-être qu'avec un peu de malchance, vous allez trouver ça pas drôle, j'imagine. Première aventure qu'on va parler sur les Tom Aventures va être une aventure de moi, de ma jeunesse. On revient dans le temps, j'avais environ 10 ans. Et on était allé à un mont de ski faire du ski avec ma famille. On prenait des cours de ski pour devenir des super bonnes personnes qui font du ski. Et j'étais dans le même groupe que mon grand frère et que ma grande sœur. Pourquoi? Je sais pas, j'imagine que moi j'étais vraiment bon et eux vraiment poche. On est en train de monter un remonte-pente, tout le groupe est là, moi, mon bro, ma sister, chaque côté de moi. Et là on monte la colline, ben correct, là moi je suis tout excité. Juste qu'on va pour descendre du remonte-pente, mon frère sort, ma soeur sort, moi aussi j'essaie de sortir. Mais il y a une petite ficelle de mon manteau qui reste pris après le remonte-pente. Ce qui fait en fait que le remonte-pente continue à monter et moi je suis accroché en bas puis je fais genre... Et là, le remonte-pente, tu montes. Et évidemment, il y a un monsieur qui s'occupe d'arrêter le remonte-pente quand il y a des choses graves qui arrivent. Mais lui, il me regardait avec son café, puis il se disait « Si je comprends la situation, il y a un jeune en train de monter sur le remonte-pente, en dessous du remonte-pente, puis il se tient seulement par une ficelle. Je vais attendre, puis je vais boire mon café. » Ce qui fait qu'il a attendu un bon... beaucoup de secondes, trop de secondes, avant d'arrêter le remonte-pente. Quand le remonte-pente était arrêté, j'étais quand même très haut, à plusieurs mètres, 5 mètres. Je sais pas si tu réalises, c'est quand même haut, 5-6 mètres, ok? C'est haut, surtout quand t'as 10 ans. Évidemment, j'étais avec tout mon groupe de ski, comme si c'était pas assez. Tout le groupe était en dessous de moi, ils me regardaient. Et ma soeur et mon frère, tu sais, qui généralement doivent me soutenir, là, me regardaient et faisaient... Évidemment, les secours sont arrivés assez vite. Et les secours au monde où on était allés, ça a été vraiment d'une performance que j'ai jamais vue ailleurs dans ma vie. C'était vraiment très très bon et je suis 100% sarcastique. Ils sont arrivés en dessous avec leur skido. Ils ont sorti une échelle et ils se sont mis à monter sur la échelle. Ils ont défait un ski, ils ont défait le ski, puis ils sont redescendus en bas. Ils ont fermé l'échelle, puis ils m'ont regardé en prenant un café. Et évidemment, étant donné que je tenais genre littéralement par une ficelle, j'ai fini par tomber et j'ai tombé ben, sur le skido qu'ils avaient stationné en bas de moi pour une raison que je ne comprends toujours pas aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'après, ils m'ont redescendu en skido et la descente en skido était inoubliable et j'ai vraiment apprécié ce moment. Arrivé à l'infirmerie, l'infirmière m'a dit que je n'avais rien cassé, heureusement. D'ailleurs, je ne me suis jamais rien cassé de la vie. Et depuis ce jour, à chaque fois que je vois un remonte-pente de ski, j'ai peur. Ok, j'ai peut-être pas peur quand je fais un remonte-pente de ski, mais c'est quand même une expérience qui va être gravée à tout jamais dans ma mémoire. Donc voilà, je sais pas si vous avez un peu réussi à vous imaginer la scène, mais c'était quand même d'une drôlitude grosse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lui faire un pouce dans les airs. Et si vous voulez d'autres Thomas Aventures, laissez-moi le savoir. Et ben, si vous aimez ça, je vais pas hésiter à en faire d'autres parce que ma vie est remplie de mystères et de surprises. Et vous allez tout connaître sur moi et après ça, on va pouvoir aller au restaurant ensemble et manger un porc. Oh, je crée mes propres blagues. Partagez la vidéo sur Facebook si jamais ça vous tente de partager la vidéo sur Facebook. C'est toujours très apprécié. Et sinon... Bye!